Bonjour, bienvenue chez Amira Monde. Assalamu alaikum. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer du pain au fataïr, farci, mhamrin, l'hachoua, des pommes de terre et des mozzarella. On va commencer par le fataïr, du pain, du type du pain normal, des grands pains avec du lait. Quand on va le farcir avec des pommes de terre, mélanger avec du mozzarella et on va le cuire dans le four. Pour les ingrédients, on a besoin 500 g de farine, 500 g de farine, 50 g de zoubda d'aïda, une cuillère à soupe de sucre, malta kbira nta sukr, un sachet de la levure boulangère, bakiya nta khmira, et puis 8 grammes nta khmira de khubz, et 400 ml du lait tiède ou 400 g du lait tiède. 400 g نتاع الحليب دافئ. معلقه صغيره نتاع الملح. Une petite cuillère à café du sel. نديرو الحليب. الحليب دافئ. Et on va les laisser 10 minutes. Achara daqa'iq. Là, je vais rajouter tout le halib. Et je vais mélanger. J'ai tamisé ma farine, c'est la farine. Du sel. Avec la farine, mélangez bien.
beurre. On mélange bien. La pâte est pour qu'il soit comme ça. Voilà, on a mélangé, on a bien mélangé. On va les couvrir. Là, je vais les couvrir. Je vais les laisser jusqu'à ce que la hajm تاعها العجينه تخمر. Jusqu'à qu'il soit gonflé. J'ai pris 400 g de pommes de terre, 400 g تاع البطاطا. Je vais les préparer. Quand je finis mes patates, je vais les cuire à la vapeur. Voilà, j'ai coupé mes patates, je vais le mettre dans un cocotte, à mettre du maïs. Un verre et demi, et je vais le cuire 3 minutes dans ma cocotte, à la vapeur. Pour la partie fataher des pains, on a besoin 400 g de patates, 400 g de mozzarella, jebne italienne bchour, mozzarella. Et j'ai besoin de 160 g de la viande salée de dinde.
vas les couper en petits morceaux. Du poivre, du sel. Je vais écraser mes pommes de terre. Pommes de terre, je les cuis 5 minutes. J'ai rajouté 2 minutes de la cuisson. 3 plus 2, j'ai mis 5 minutes dans ma cocotte. Une petite cuillère à café de zoubda. Malqa sghira nta zoubda. Du jambon, je vais rajouter la viande de dick romé. Elle est salée un peu, faut pas qu'on ajoute trop de sel. J'ai mis que 100 grammes. Du poivre, un peu de sel. Voilà, j'ai mélangé ma farce. Je vais préparer ma pâte. Voilà, je vais préparer mes deux patates, la farce. Je l'ai couvert avec un sac congélateur. Voilà ma pâte, elle est gonflée. La farine, sans pâte, colle un peu, mais c'est comme ça, faut qu'il colle un peu. Je vais faire 3. Je
égal. On fait un petit bon. On prend la pâte. On tire la pâte. Coule bien la pâte. On va doucement que la farce ne sorte pas. J'ai pris une plat, mais le papier cuisson. Je vais faire un petit trou avec le ciseau.
Voilà. J'ai allumé le four à 220. Je l'ai laissé chauffer et je vais le mettre pendant 10 minutes à 220. Et après, je mets le four à 230 et je le laisse 5 minutes. Ça fait 15 minutes. 15 دقيقة. La chaleur en bas et en haut. Mais le tête tombe le fort. Il m'a resté une. J'ai pas utilisé tous les pommes de terre. 400 grammes de pommes de terre. Voilà la deuxième. Celle-là, je vais. Au milieu. Et voilà la troisième. Il y a le patera, il est cuit. Je prends un petit peu de beurre. De nouveau, je suis en sa zouda. Refroidir. On va les couvrir. Voilà. On laisse. Voilà, le pâte à air est sans cuit. Ou du pain par-ci. Le khobz avec le hachouan, patates et des gruyères, des mozzarella. Le mâchouillant, ça souda. Un petit peu. Voilà le pâte à air.
الصحه والراحه وبون ابيتي.